RTL, 8h10. Bertrand Delanoë, candidat à la mairie de Paris. Dans un instant sur RTL, il est l'invité d'Olivier Mazerolles. Bonjour Bertrand Delanoë. Bonjour. Vous êtes candidat à la mairie de Paris, c'est ferme, définitif? C'est oui, mais c'est évidemment soumis au vote des socialistes parisiens. Dites donc, la gauche n'a pas été majoritaire à Paris depuis la commune? Exact. Bah dites donc, hein, sacrée tâche. C'est gagné d'avance? Rien n'est gagné d'avance pour personne. Merci Bertrand Delanoë. Bonne journée, dans un instant sur RTL, le journal de 8h de Jacques Esnault. Mais elle peut aussi vite descendre. Au Parti Socialiste, ce sont les militants qui désignent le candidat. Le vote est prévu le 30 mars et Jack Lang ne s'est pas encore déclaré. C'est une bataille de crédibilité considérable à affronter. Je le sais bien. Enfin, je vois pas pourquoi celui qui est reconnu comme connaissant les dossiers ne serait pas celui qui est capable éventuellement de représenter, de prendre les décisions. Mais c'est un défi. Bon, c'est de savoir si on élit le maire ou si on élit le candidat. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Si on élisait le maire, ça serait moi? Je devrais être majoritaire. Mais 2 mois de débat, c'est 2 mois de débat. Et moi, j'accepte l'incertitude du résultat. Et il y a quelque chose qui peut faire des dégâts dans les têtes. C'est une stratégie assez habile, d'ailleurs, de Jack, de dire aux militants qu'il invite, avec une prédilection pour les miens, d'ailleurs, pour mes proches, qu'il invite Place des Vosges. Il leur dit, mais Bertrand, est formidable. Tu es formidable, Bertrand. Mais est-ce que vous voulez gagner? Ils disent oui. Pensez-vous que vous puissiez gagner avec Bertrand? Vous avez vu les sondages? Vous avez vu? Voilà. Donc, ça, je ne sais pas ce que ça peut donner dans 2 mois.